Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est lundi, j'entame ma deuxième semaine de vacances. J'ai pas envie de retourner travailler. Donc aujourd'hui au programme, donc il faut qu'on aille à la déchetterie, virer tous les trucs qui nous restent à virer. Et si possible aussi, il faut qu'on fasse un saut à la SPA ou pareil, il faut que je vire tout ce que j'ai à virer aussi, des anciens trucs qu'on n'utilise plus du tout. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure et puis bah, après on va totalement aviser parce que je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Est-ce qu'on fait une sortie avec les chiens? Est-ce que je travaille sur la chaîne? Je sais, on va voir en fonction du temps, on va un petit peu improviser. Voilà, il va être au programme aujourd'hui, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du vlog, encore comme hier. Hier je pensais que j'avais rien filmé. Non, c'est avant-hier je pensais que j'avais rien filmé, finalement ça fait une demi-heure. Hier je sais pas du tout. Je n'ai pas encore fait le montage, donc je ne sais pas. Enfin bref, je vais rejoindre le chéri pour déjeuner, sortir du loup et puis nourrir les petits sales gosses. Donc voilà, finalement il est 4h tout pile, donc on vient d'atterrir à la forêt parce qu'en fait il fait super chaud et puis les loups sont excités, ça fait trop longtemps qu'on s'occupe de la maison et qu'on les a pas sortis pendant les vacances. Donc ils sont totalement excités, je vais voir ce que je peux filmer parce qu'honnêtement j'ai les 4, je suis toute seule. Donc voilà, je vais mettre le Nikron pour pouvoir quantifier la durée de ce qu'on fait, donc Kiki est là. On a les autres doudous qui sont là, et dedans je mets les plaids, mais bon vu qu'ils ont bougé, on aura tatiné sur un côté. Hello, on est mardi, je vais pas tarder à aller rejoindre, donc avec Chérie, donc on va aller rejoindre Camille, la maman de Olympe et Oana, et Julie, la maman de White, pour une balade dans une forêt que je ne connais pas encore de la région. Donc à la base je pensais emmener Elodie, Lexi et Amaury, mais sauf qu'Amaury, le temps que je descende, allait faire un truc, il est encore pissé partout dans mon bureau. Donc comment vous dire que bah il est puni, voilà, tout simplement, en plus il est sorti hier, donc bah voilà, comme ça le choix est fait, et donc à la place on emmènera Kitty. Voilà, il a tout gagné. Donc bah j'ai préparé les fillettes, et puis on va pas tarder à partir. Et je vais récupérer aussi le congélateur, et encore merci énormément à Camille qui me passera ce congélateur, donc qui me servira beaucoup. Finalement super balade, donc on s'est retrouvé au total avec 10 chiens, oui je crois que c'était 10, donc c'était super cool. Skoll a fait des jolies rencontres, ça s'est super bien passé, et puis après on a terminé chez Camille à prendre une
une petite bière et manger pizza. Donc encore merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir parce que beaucoup savent à quel point j'ai du mal à faire des contacts et avoir du monde, surtout dans la région, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, comment te dire que Skoll est complètement, a du mal énormément à s'en remettre parce qu'il a joué avec Oli, qui est je pense devenu sa meilleure amie. Il en est, enfin voilà, il est dans un état, il est complètement crevé, il a des cernes pas possibles depuis ce matin. Mais voilà, donc les nunuches, ça s'est plutôt bien passé une fois sur place. Elles se sont trouvées un coin, Kitty on l'a fermé dans une caisse parce que nous on leur a dévoré tout le monde, vous connaissez son caractère. Et puis bah, quand je suis rentrée, Momo avait pas trop fait de bêtises. Alors je voulais vous le filmer, mais pareil, j'avais encore trop la flemme, on est rentré, était plus de minuit. Amaury donc avait pas fait de bêtises, donc je l'ai descendu pendant qu'on a déchargé parce que Camille m'a donné un congélateur et pareil encore. Merci beaucoup. Pour le barf, donc Amaury a voulu, avait une en train de sortir, donc je me suis fait le kiff de le sortir sans laisse dans le chemin. Je l'ai fait monter dans la voiture, il était content, assis sur le siège passager en mode je me la pète, ouais on va faire une balade. On fait le tour du quartier, je trouve une place pour me garer, on se gare et on rentre à pied en mode sans laisse, sans collier, sans rien, jusqu'à la maison. Mais ça fait le kiff de monsieur, il était content et au moins comme ça il va pas casser les pieds cette nuit. Donc voilà, donc bah pour le reste, bah je vous dis maintenant à demain parce que j'ai rien de plus à vous dire. Parce que sinon je vais spoiler la journée de demain. Kissou! Hello, on est aujourd'hui mercredi 7 août pour être précis. Et aujourd'hui normalement les filles voulaient encore sortir faire une balade, mais je suis un peu fatiguée parce qu'en fait hier on n'est pas rentré si tard que ça. Je suis pas une mamie couche tôt, mais voilà, je me suis pas endormie avant 5h du matin, donc j'avais un peu de mal. Et comment dire que bah voilà, faut que je tourne quelques vidéos. Donc je vais avoir la vidéo, apparemment mes voisins sont pas là, donc je vais peut-être tourner ma vidéo qu'il me faut que je sois dans la cour, donc la version apéro pour chien, je n'ai toujours pas fait. Faut que je tourne la dernière partie des soldes, faut que je tourne ma recette du curcuma. Mes produits de chez Biogans. Donc on va voir ce qu'on va faire, mais ouais, comme j'entends pas mes voisins depuis tout à l'heure, mon avis ils sont pas là, donc je vais peut-être en profiter pour fumer dans la cour. J'espère qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que si après le son est pourri, ça risquerait de gâcher toute la vidéo, sachant que je peux faire qu'un one shot avec. Donc on va voir ça. En tout cas pour l'instant je me prépare, et heureusement que j'avais fait le montage d'avance et que j'ai 2 jours de décalage par rapport à ce que vous voyez, parce que comme ça hier j'ai pu me coucher tard sans avoir besoin de rentrer et de faire du montage. Et sinon regardez mon magnifique fond d'écran, je suis trop contente. Avec mon nouvel appareil photo il rend trop bien, la qualité est trop ouf avec la taille de mon écran, je suis refaite. Donc comme ça pour une fois bah, pas de logo de la chaîne quoi que ce soit. Non là j'ai vraiment tous mes bébés en fond, ils sont super bien posés, ils ont tous une bonne tête. Et puis voilà, toute la photo est nette, classe, je suis trop contente. Bon, finalement la vidéo apéro dans le jardin c'est encore pourri parce que les voisins sont encore sortis et leur mioche arrête pas de chiller. Enfin bref, donc là, phase de vernis parce que voilà, je ne peux pas tourner des vidéos avec un vernis pourri. Un minimum de professionnalisme quand même. D'ailleurs, je me dis qu'il n'y a peut-être pas que ma vidéo dans la cour qui va être compliquée. C'est comme qu'à chaque fois que j'ouvre de la fenêtre, je me prépare pour tourner une vidéo. Je comprends pourquoi j'ai pas tourné en fait pendant les vacances. Hein. Il pleure, il chiale et en plus il est tout le temps en train de mongoliser. Alors soit il secoue la barrière pendant 3 plombes, le portail, ou il tape. Il tape. Donc ouais, moi au niveau des vidéos, j'ai pas envie de vous donner ce genre de qualité de fond de son quoi. Ouais. Il soit était trop mignonne, elle a tourné toute la vidéo sur mes genoux. Oh, oui. Ma Kiki. Oui, on va faire les photos. Oui, on va faire les photos et puis après on va donner des friandises. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Kitty avec sa nouvelle gamelle. Je crois que son bandana ne plaît pas à mourir, il a peut-être kiffé. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu veux, Momo? Tu veux ça? Ah, tout de suite, tu vas être content si tu lui donnes ça. Oh, tu veux des poissons? Tu veux des poissons? Je vais poser la caméra pour que vous puissiez voir.
On vient de tourner le jeu d'intelligence de chez Zoopus. Donc pour ceux qui se rappellent pas, c'est un jeu que j'avais acheté il y a très longtemps, donc c'est celui de la marque Zoolove. Donc au départ j'ai cru qu'on allait pas y arriver, heureusement qu'Amory avait quelques entraînements pour montrer comment fonctionnait le jeu, parce que les filles elles ne comprenaient absolument pas le principe. Donc elles pensaient qu'elles avaient pas le droit de manger dans le plateau, pourtant je les encourageais et tout. Lizzie elle comprenait pas le délire, hein. C'est oui on va jouer, je m'en fous de ton plateau quoi. Mais voilà, je pense qu'avec quelques temps d'entraînement on remontrera quelques petites mises à jour pendant les Pets Week. On va travailler la stimulation mentale des doudous. En tout cas, ça travaille toi, Momo, hein. T'aimes bien faire ça. Bah oui. Alors, faut que. À Maury, faudrait que je lui mette ça quand, quand je m'en vais. Pour qu'il puisse s'exciter sur un jouet. Ouais, ça, on te le remplira les prochaines fois que Maman ascendra. Donc voilà, en tout cas, je vais ranger ça et puis on va voir ce que je vais passer comme autre tâche à faire juste après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais le laisser traîner sous le canapé pour que les filles aient dans l'environnement, pensent à le sentir, à limite mettre les crocs dessus parce que vu les crocs qu'elles ont, elles vont pas me le péter. Donc, au pire, si elles mangent les ventouses, de toute façon, les ventouses, elles servent à rien, elles fonctionnent mal. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir. Il y en a qui est là-dessous en train de se cacher. Qu'est-ce que ça fait si j'y mets une friandise cachée? T'es caché sous le canapé, je t'ai vu. Amory assis. Hop, attends. Là, si je te cache là-dessous, tu cherches ou pas? Bah oui, mais cachée dedans la friandise. Si tu la veux, tu la cherches. Non, dans l'autre sens. Des fois, ils sont sans bloquer parce qu'ils ont pas compris dans quel sens ce système bougeait. Là. Ils ont fini les croquettes de chez Proplan. T'as vu quand, ça, quand tu veux ça fonctionne? T'as vu que t'as le droit d'y toucher? Bah ouais, c'est drôle ça comme jouet. Bah oui, même à 10 ans on peut découvrir des jeux d'intelligence, dites donc. Maman connaissait pas ça à l'époque. On fait un essai? Maman le cache dedans? Maman, assis. Oui les filles, parce que sinon ça va être la bagarre. Allez, hop. Hop. Et dis, ouvre la bouche quand tu manges. Hop, on remet dedans. Hop, maman ferme. Attends, caché. Hop. Et voilà. Mais je peux pas inclure ça dans la vidéo, honnêtement. Bah oui, tu vois, tu comprends vite. Tu comprends vite. Donc il est quasiment 20h. Je vais pas tarder à faire un nouveau montage. Je m'éclate avec mes montages. Et vu l'heure qu'il est, on a les soleils dans la gueule. Donc autant vous dire que j'ai les vraiment dans la gueule et que je vois plus rien. Donc on va aller faire à manger. Je vais juste sortir les chiens avant. Ranger le bordel parce que je vais pas tourner d'autres vidéos aujourd'hui. De toute façon... Comment vous dire que mon PC est plein, que je n'ai plus de place. Donc tant que j'aurai pas fait d'autres montages, c'est pas possible. Oh, il est trop beau cette écriture solde. Dem, dem, dem. Et sinon, forcément, on a lavé bébé Skull, ce que je disais qui était dégueulasse. Donc, ça se renverse pas. Je l'ai lavé avec le tiki-tik. Bon, j'ai pas pu filmer parce que vu que moi il secoue l'appareil, il serait plein de shots. Donc ça, en ce moment, je dis que ça pendant l'été pour lutter contre les insectes. Et apparemment, ça fonctionne bien parce que j'ai pas de soucis. Et puis, comme il est blanc, je voulais tester du produit spécial poil blanc. Et en fait, je me rappelle que j'avais fait un partenariat avec Diamex qui avait du super white. Donc, pour les chiens blancs. Donc, ce qui est assez drôle parce qu'en fait, c'est. Et après, votre chien, il est violet quand vous le lavez. Donc, heureusement que je connais ce genre de produit et que ça fait pas peur. Mais voilà. En tout cas, il est blanc, le chien blanc, il est tout propre, il est plus gris, il est plus dégueulasse. Et au coup, je commence à de plus en plus de shampoing pour chien, mais de mes shampoings. Normal. Ça commence à se voir que j'ai bientôt plus de barres en stock parce que toutes les boîtes de Kitty sont quasiment là. Et voici les congélos qu'on a récupérés. Donc il y a pas mal fuité hier qui m'a foutu de la flotte partout. D'ailleurs la poussette est rangée là. Donc voilà. Donc on sait pas encore où je vais l'installer. De toute façon, forcément que j'en rachète un autre de toute façon. Ça va être du temporaire. Donc voilà. Les doses des loulous. Dis monsieur Ultra Bright, tu vas pas te ressalir alors que je t'ai lavé. Allez, monsieur blanc tout blanc. Qui aime avoir des taches partout, tu n'es pas un damasien. Aïso, tu seras pas le jumeau de Muffin. Mais en fait, je vous avais pas montré. La mise à jour de comment ça rend maintenant. Donc on a tout libéré cet espace là. C'est trop de la balle. Donc je vais travailler là. Parce que là il n'y a pas de place. Oui je garde ça pour faire une photo. Donc je vais maintenant clôturer le vlog parce que j'ai pas d'air à me coucher, il est 1h15 on va dire, ou arrondir. Honnêtement je ne sais pas du tout de quoi sera fait demain, ce sera au feelingos. De toute façon là j'ai voulu faire un montage parce que j'ai la vidéo des soldes qui fait plus de 40 minutes. J'espère que vous aurez du courage pour la regarder, je suis désolée mais je peux pas faire mieux. Donc voilà, il n'y a plus de place sur mon PC donc je ne peux pas faire le montage. Donc je me dépêche de publier les vidéos pour qu'elles soient planifiées, pour que je puisse les virer sur un autre PC. Pour pouvoir finir mon montage. Vis ma vie de meuf qui a trop d'idées et qui a sa chaîne qui déborde, son ordinateur qui déborde, son cerveau qui déborde, sa carte mémoire qui déborde. Yes! Enfin bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis donc à demain. Kiss kiss!
Hello, on est donc jeudi, donc là pareil, normalement j'ai failli sortir aujourd'hui mais pas mal fatiguée, il faut quand même que j'enchaîne parce qu'en plus les autres jours je sais pas comment ça va se passer pour faire mes tournages. Et donc aujourd'hui on va tourner quelques produits. Déjà je suis obligée de faire du montage à mort parce que j'ai plus de place sur mon PC. Et puis donc là j'ai ressorti des trucs en plus, donc il y a toujours les mêmes choses à faire. Donc là j'ai sorti tous les produits Edgar Cooper aussi que je dois tourner, donc il me reste des croquettes à présenter ainsi que les nouvelles friandises. Donc tout ça dans la même vidéo parce que je peux plus faire 10 000 vidéos différentes. Je viens d'aller arroser les plantes. Salut Marilou. Oui, en fait hier je vous ai pas dit, c'est que Madame Lexi a voulu se poser sur le coussin qui est là, mais qui est un peu petit pour creuser dedans. Donc j'ai eu pitié, je l'ai été leur chercher deux vieux oreillers qui sont vraiment de la bonne taille pour faire bien moelleux pour se mettre dedans. Mais par contre bah, le mois prochain j'ai mis des têtes d'oreillers à acheter sur Amazon pour protéger tout ça. Mais je les enlèverai pendant les fonds de vidéo, mais au moins comme ça ils sont hyper moelleux pendant qu'ils s'installent quand le canapé est totalement à eux et pas pour les vidéos. Même si même pendant les vidéos je m'assois jamais dedans, en fait c'est vraiment leur canapé. Donc on vient de tourner la vidéo sur ce jeu là, pour l'instant c'est un fail, faut que les loulous s'entraînent davantage que ça, mais je publierai quand même la vidéo telle quelle parce que il faut montrer que c'est comme ça, que même moi j'hésite pas à montrer des vidéos où ça se passe pas forcément dans le meilleur des mondes avec mes loulous, donc, enfin dans le meilleur des mondes, intelligence s'entend hein, parce que le reste il n'y a pas eu de soucis pendant la vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu pour en même temps décomplexer tout le monde que tous les chiens ne savent pas faire un jeu d'intelligence comme ça. Moi les miens ils en sont pas capables. Même le plus basique, donc bah, il y aura de l'entraînement et on montrera d'ici quelques temps avec de l'entraînement ce que ça donne. Mais comme à chaque fois, Kitty se cache en dessous quand je lui mets. Donc je vais mettre quelques friandises dessous et on va voir ce que ça va donner. En espérant que ça déclenche quand même pas de bagarre. Mais voilà. Donc ma prochaine vidéo concernera ces deux produits. Je vais faire de la pâte de curcuma pour Kitty. Donc là, j'ai mon bloc-notes qui est juste ici pour noter toutes les informations du bienfait du curcuma pour en parler dans une vidéo, ainsi que la recette. Et oui, il faut parfois travailler ces vidéos. On ne peut pas tout faire en spontané. Donc voilà, ma fiche technique est prête. Par contre, c'est une recette où il faut absolument utiliser la casserole et tout. Il est déjà à 18h30, j'ai mal à la tête. Donc ça, on continuera demain. Mais au moins, le papier est prêt, la recette est prête. Et donc on fera... ça tranquillement demain. Je sais pas ce que j'avais comme autre vidéo à tourner à part ça. Oui, il est 20h, je vais pas tarder à aller faire à manger, mais là comment vous dire que j'ai mal au crâne. Vous avez loupé, tant que j'allume l'appareil photo, des mains qui hurlent à côté. Fatigué. Mais l'encodage a fini par fonctionner. C'est déjà ça. Oui. Ouais. Hello, on est vendredi et il ne fait pas beau du tout du tout. Donc là on va en profiter pour l'instant. Il y en a deux qui me réclament leur graine du matin, donc on va leur donner ça tout de suite. Oui. Oh, et il me fout de la litière partout. Kiki, pousse-toi. Je te fais tomber la boîte sur le dos, tu meurs. Je change de main. Je vais acheter le grain avec la main gauche, il y a une chance sur deux que ça tombe par terre. Hop, les petites graines du matin. Franchement, cette marque, j'en suis vraiment satisfaite, moi. Certains n'aiment pas les mélanges, mais moi, ça me va. Oh, c'est du flou. Attention. Focus, focus. Il y a quelqu'un? Ça ne veut plus focus. Voilà. Oui, il faut encore que je fasse un litière et de nouveau, ultra cracra. Ah, ensuite, donc les doudous. Qui profite bien, c'est ma puce. Qui profite bien des oreillers que maman l'a donné. Oui, non, saute pas sur la caméra, s'il te plaît. Oui, mais comme d'habitude, faut toujours refaire tout le plumard. Ah, vous êtes rien lourd. Hop, pousse-toi, Kiki. Pousse-toi. Pousse ton cul, Kiki. Hop, tiens, coussin. Lady, pousse-toi. Allez, Dido, pousse-toi. Lady, pousse-toi. Et je peux pas remettre le coussin là non plus. Regarde, mets-toi là. Hop. Donc ça, et puis je vais aller chercher les friandises. On va refaire un test, voir si ils ont appris les jeux d'intelligence. Oui, moi.
honnêtement, je suis pas du tout motivée à filmer aujourd'hui. Je t'attendais ma vidéo spéciale sur l'apéro pour chien, mais comme il a plu, la table que je devais me servir qui est dehors, elle est trempée, donc je sais pas trop quelle alternative je vais faire. Je vais réfléchir sur quel truc me poser. J'ai enfin trouvé le truc en réfléchissant au même jeu. Avouez quand même les gens que ça a de la gueule. Voici le teaser de ma vidéo spéciale apéro pour chien. Non mais, je me suis fait ce petit truc, mais le spot, je trouve que j'ai trop bien organisé le truc. On voit tout, c'est clean, il y a du choix. C'est pas parfait, il y avait peut-être d'autres produits à présenter, mais les autres produits, niveau composition, ça rentrait pas dans mon éthique, parce que et au niveau tarif non plus. Parce que pour le délire d'une vidéo, il aurait fallu que j'achète une pizza pour chien, des chips pour chien, mais qui niveau... Mes chiens ont déjà testé les deux et se sont déjà moitié étouffés avec. Donc comment vous dire que j'ai pas envie de vous proposer ça. Et ici, vous avez donc des valeurs sur ça, on a déjà testé avec Skoll. Chez que les chiens, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, faut que j'aille chercher un verre pour faire le délire. Ça, c'est des chips classiques, ça, il n'y a pas de souci. Ça, Skoll en a déjà mangé, pas de souci. Ça, il le mange régulièrement, pas de souci. Déjà mangé, il n'y a pas de souci. C'est de la viande séchée, à son cookie, ils connaissent. Donc ça a trop de la gueule. J'espère que j'aurai assez de recul, par contre, pour filmer correctement. Mais ça me plaît masse. Bon, faut bien faire le truc, j'ai été récupérer une chope et un décapsuleur parce que bah, les bouteilles là, bien les ouvrir parce que je vais pas voir la canette en fait. Donc Leslie, ça y est, ta vidéo va enfin être tournée avec les bières que tu m'as envoyées, même si j'ai réussi à en trouver entre temps. Mais voilà. Et voilà, j'ai même terminé de filmer la vidéo, j'espère que j'aurais pas été trop mal dans le cadre. Mais les loulous sont pas trop battus, ils ont pas trop bougé la table, je les en remercie, le résultat à la fin ne ressemble pas trop à rien. Donc on va ranger tout ça dans les cases spéciales friandises, parce que comme j'ai dû tout ouvrir, bah, il va falloir qu'ils les consomment plutôt rapidement en fonction de ce qui se referme plutôt facilement ou pas, sachant que les chips, je peux pas les refermer. Je suis contente au final, ça fait 2 ans que je galère à faire cette vidéo, j'ai enfin trouvé mes produits, et j'ai réussi à peu près à cadrer comme je voulais pour faire vraiment un effet apéro. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tout ranger maintenant. Bon, je l'avais dilué tout à l'heure dans l'eau, mais forcément, le même problème avec Skoll, j'en ai donné un peu. Mais le problème, c'est que même si vous en mettez un peu dans l'eau, c'est tellement appétant avec la flotte. D'ailleurs, c'est ça, il faudrait que je regarde si je peux le congeler pour faire des glaçons pour Lexi, ce serait le combo parfait. Je vais faire un essai, on va faire un test avec ça. Parce que bah, ils ne peuvent pas s'empêcher de boire tout d'un coup, sans s'arrêter. Donc Skoll, il a fait que j'enlève la sienne parce qu'il se sera étouffé. Et mais bon, les autres, comme ils sont 5, c'est pas grave. Ils auront juste une grosse envie de pisser qu'il va falloir que j'emmène parce qu'il y en a un qui va faire pipi partout. Mais honnêtement, je vais tenter d'en diluer un dans l'eau et de faire plein de glaçons. Parce que pour Lexi, quand on part en balade et qu'elle veut pas boire, ça peut être la solution. Ça pourrait être sympa. Puis si j'en trouve plus, bah, je demanderai à Lexi de m'en envoyer en urgence. Ouais, on va tenter ça. Donc là forcément on y voit beaucoup plus clair dans cette boîte. Comme ça je redécouvre des produits qu'il faut absolument que je tourne. Donc les produits que j'avais eu de chez 191B. Et je retourne une vidéo. Le stop pipi, je sais toujours pas. Là pareil, il faudrait que je fasse un biogans, mais à part avec spécial rongeur. Faut que je tourne les entomas, faut que je tourne... Voilà, j'ai pas mal de petits trucs à tourner comme ça. Donc là, tout ce qui traîne sur mon bureau, je vais déjà pouvoir le remettre dedans. Et voilà, ça prendra moins de place. Donc ça, c'est tout ce qui est tourné en priorité. Qui c'est qui part en courant avec un doudou? Qui c'est qui part en courant avec un doudou? Qui c'est qui a piqué le bolistique aussi? Le gosse. Un gros yeux. Qui c'est qui a piqué le gros yeux? Oh, c'est un gros yeux, ça. Oh, le gros chien. Oh, le chien. Oh, yeah. Voilà, comme ça, ici, c'est rangé. Toujours pas fermé, mais bon. Voilà. Et là, on y voit déjà un petit peu plus clair. Ça, on peut virer. Ça, la canicule, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, on peut ranger ça là-dedans aussi. Maquillage, t'as pas besoin pour aujourd'hui. Excuse-moi, Kiki. T'as dépourvu. Oui, tu t'as quand même fait plus de peur qu'autre chose. Ça fait encore que je le teste. Ça pour l'instant, je sais même pas pourquoi je m'en ai servi la dernière fois. Hop, rangé. Avec le gros tchonchon. Ça rangé aussi. J'ai mis ça hier dans mes cheveux et après j'ai pas rangé. Donc je cache les papiers de mon imprimante parce qu'il y a mon adresse dessus. J'ai pas forcément envie que vous l'ayez tous. Et ce sera déjà pas mal. Donc il faut que je range aussi les rubans parce que ça, il n'a pas besoin prochainement. Et ce sera déjà pas mal. Allez, pause jeu. Désolée pour tout à l'heure, ça a coupé au plein moment où j'étais en train de vous parler. Et je m'en étais pas rendu compte, mais je n'avais plus du tout de batterie. Donc quoi qu'il en soit, il est 23h, donc j'ai largement eu le temps de manger quoi que ce soit. Donc là, je suis en train de répondre aux commentaires.
Encore des gens qui râlent sur oui, il faut payer la livraison pour free print. Oui, ben enfin bon, quand tu te payes 6€ pour 45 photos, c'est gratos. Donc ouais, j'ai pas mal de commentaires à modérer, mais en tout cas, bonne nouvelle. Mon colis avec le harnais de Lady qui est parti, donc je devrais le recevoir la semaine prochaine, et avec un peu de chance je l'aurai pour le week-end prochain, même si apparemment le temps prévu pour le week-end prochain risque d'être catastrophique. Et ben on verra bien, mais voilà, en tout cas je vais attendre. Donc là il est parti aujourd'hui, il est en chemin, donc normalement il était estimé début de semaine prochaine, donc à voir ce que ça va donner. Bon, il est 3h du matin, je vais clôturer le vlog. J'ai fini de monter la vidéo de l'apéro, le rendu est vraiment très bien en fait, pour finalement l'avoir fait dans mon décor habituel. Je trouve que le spot que j'avais utilisé, le setup a plutôt bien rendu, donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça sur la chaîne principale. Donc ça va sortir vendredi prochain, donc là le vendredi 16. Je sais les gens, je devais couper le vlog, mais sérieusement, pourquoi? Pourquoi? Je vais pas passer ma vie à Paris, honnêtement. Oh purée. Donc, je sais pas comment je vais faire honnêtement. Je ne sais clairement pas. Comment vous dire que nous avons donc cette fameuse kermesse que je vous avais dit qu'il y avait l'affiche qui devait se faire en mois de juin. Ça m'aurait fortement arrangé à l'époque. Qui finalement revient maintenant le 22 septembre. Donc comment vous dire qu'il faudrait que j'aille à Paris le 22 septembre, le 28 septembre, le 5 octobre et un truc comme le 8 octobre. Autant dire 4 week-ends d'affilée sur Paris. Autant vous dire que je suis pas Crésus. Autant vous dire que même si j'y vais, ça risque de cramer mon budget. Pour Animal Expo. Donc il va falloir que je trouve du covoiturage. Fortement. Pour faire des économies. Hello, on est donc samedi. Bientôt la reprise du boulot. Début de la dépression et des vlogs dépressifs. Donc là on est un peu dans le noir parce qu'en fait il y a énormément de vent dehors. Donc ça tend à me faire claquer les portes et tout, et les fenêtres si jamais je les ouvre. Donc je sais même pas si je vais pouvoir filmer quoi que ce soit parce que c'est un peu compliqué. Donc là on va refaire l'entraînement de voir si Maury et compagnie ont amélioré leur capacité à comprendre le jeu d'intelligence. Un petit entraînement par jour pour avoir une évolution progressive, ça me permet de mettre un peu plus de contenu dans ma vidéo. Et puis voilà, de toute façon je pense que j'aurai d'autres trucs à vous dire, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Et puis on va voir si je vais quand même tourner une vidéo parce que j'ai peur qu'avec le vent ce soit un petit peu imbouffable aussi à trop de vent. Mais bon, honnêtement, avec le vent, on n'est pas vraiment à plaindre parce que j'ai appris qu'il y avait une tornade dans l'Est, en Meurthe-et-Moselle, donc voilà. Et c'était pas une petite tornade, il y a quand même pas mal de dégâts, quoi. Donc courage à ceux qui ont subi ça. Donc avec la vidéo apéro, forcément, le tiroir est de nouveau bien plein. Donc on va donner les petites chips comme ça. Bon, c'est pas le meilleur, mais ils en auront plus jamais d'autres dans leur vie, hein, donc c'est exception. Hop. Donc on va aller installer tout ça. Mes cubes de mix légumes et de panse déjà préfaits. Donc toute la ligne là-haut c'est ceux d'Amaury. Là on a ceux de Skoll et là on a ceux de Kitty. Donc comme ça les trucs ils sont vides et je vais pouvoir m'occuper de la bière. Donc comme là ça je vous le disais hier, j'ai encore cette bière là goût bœuf qui me restait. Donc je vais remplir dans tous ces petits cubes parce qu'ils sont vraiment pas très grands. Pour essayer de pouvoir s'en servir pour Xy qui ne veut pas boire d'eau en extérieur. Comme c'est hyper appétant de voir ce que ça peut donner. Donc faire ce genre de glaçon pour mettre dans les gourdes d'eau juste derrière. Donc ça va être une phase de test et peut-être justement je me servirai de ces images une future vidéo. D'ailleurs le congélateur est quasiment vide, il n'y a quasiment plus rien dans aucun des tiroirs. Donc je reçois la commande mercredi prochain et en plus j'ai cette chance là, c'est que cette fois-ci le point relais se fait dans ma ville. À 350 mètres de chez moi, le pied. Il va falloir que je finisse de m'en occuper avant mercredi pour le brancher et le placer. Bon ça va être pas mal, donc j'y refasse un petit coup de clean. Je sais pas ça. Petit pack de récupération de flotte, bah, je vais le vider tout de suite parce que je sais pas qu'il y avait ça. Donc là je viens de tourner les produits Biogans avec les doudous, donc ça faut que je le teste absolument sur Amaury dans les prochains jours. On a testé celle-là, je valide totalement. Ça sur Lady ça marche, ça faut que je le teste aussi sur Kiki. Et puis bah, pendant ce temps-là, il y en a une qui nous a abandonné pendant le tournage pour venir dormir ici. Non, moi, pour plus. Je suis confortable ma princesse au petit pois. Hein, qui est une princesse au petit pois avec ses 10 000 matelas. Hello, on sort aujourd'hui pour le 17e et dernier vlog si mes comptes sont bons. Et oui, ça va être le dernier vlog comme vous savez chaque fois, le dernier vlog
de la déprime. Donc demain, je reprends le boulot. Heureusement, soyons positifs. J'ai eu des bonnes vacances, des bonnes semaines. J'ai bien profité, j'ai bien bossé. J'ai 3 jours de taf et après j'ai 4 jours de week-end. Il faut que je vois le positif un peu partout. Donc là, bah, pareil, comme d'habitude, il faut que je me maquille. On va tourner une petite vidéo. Alors, je ne sais pas encore laquelle, il faut que je vois. En attendant, je suis en train de jouer à Plantera. Et que je regarde aussi les autres tâches que j'ai à faire dans la journée. Sinon, hier, je ne vous ai pas montré parce que j'avais la flemme. Donc, désolé, je clôture pas les vlogs quand j'en ai. J'ai pas envie. J'ai réparé ce petit joujou là parce qu'il était tout cassé. Donc, depuis le temps que je vais le faire, je l'ai enfin fait. Donc, je ne leur donnerai pas ce call parce qu'il va le casser. Et j'avais celui-là que j'ai réparé aussi, donc oui, niveau qualité, c'est bien de la merde. Je jouais de chez Zooplus, ils sont pas très très solides. Et puis là, bah, c'est le bordel, enfin que je range tout. Et puis Kitty, j'arrête pas de vomir depuis ce matin, parce qu'à mon avis, elle aime pas les chips. Les chips d'apéro, mais ça, c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes, c'est parce que madame est intolérante à pas mal de choses, elle l'est encore plus depuis que elle est passée au bar. Et les chonchons là-bas, bah, en ce moment, ils veulent pas manger, c'est leur mâche. J'arrête pas de jeter la mâche à la poubelle. Tiens, il y a un hamster quand il se lave. Oui, ma scie, ouais, tiens. Regardez là comment elle me colle tout le temps là. Hein, tu me colles. Le week-end prochain, forcément, c'est qu'on travaille sur la vidéo pour la truffe d'or. Hein, ma fille. Oui, il faut qu'on fasse ça. J'espère qu'on va avoir un trop mauvais week-end. Le week-end prochain. Bon, il est minuit 20. Donc, je vais clôturer le vlog maintenant parce que j'aurai rien de plus à dire. Je suis à fond dans le montage. Donc, si je peux finir celui-ci aussi. Comme ça, on n'en parlera plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura encore plu. Je vais mettre pause parce que j'écoute en même temps dans mon casque. J'espère que cette série de daily vlog vous aura encore plu. Normalement, je vous reprends quand même jeudi, jeudi, vendredi... Non, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Normalement, je reprendrai à ce moment-là pour refaire une petite prolongation. On va en profiter si j'ai vraiment du contenu parce que je sais pas. Franchement, honnêtement, je vais voir. Je ne me mets pas la pression, mais comme j'aime bien prendre ma caméra comme ça, on verra. De toute façon, rien que pour les pets trucs, de toute façon, je filme. Donc voilà, vous aurez juste du sans montage comme je vous fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à toutes les personnes, une trentaine de personnes qui regardaient à peu près mes vidéos chaque jour. Donc ça, ça fait plaisir. Et puis bah donc, on se dit soit... Enfin oui, sûr, à la semaine prochaine. Sinon, bah pour les prochains vlogs, je ne sais pas ce qu'il y aura. Sinon, ce sera bah, pour Noël, comme chaque année, deux fois par an. Voilà, et puis entre-temps, il y aura les vidéos tag et compagnie. Donc encore, merci d'avoir regardé toutes ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront plu et je vous dis bientôt. Kiss kiss.